Nous y revoici. Attends, on a accès à Google, on a déjà la tablette. Oui, voilà, la tablette est sauvegardée. Ah ouais! Merde! Et d'ailleurs, tu as tes chats qui sur ta chat qui met directement le qui règle la tablette pour que ça affiche à ma chatte règle. Non, je veux pas de choose la map. Oh, ferme ça, c'est. Ferme-la, ferme ça, moi, ferme-moi ça. Bon, allez, on s'en fout de la tablette. Non. Rip. Alors, c'était moi qui avais joué à la dernière fois. C'était à toi de commencer. On voit le problème. Ah si, elle est toute. Oh, attends, je la refais. Et ça. Oh, le bruit. C'est très marrant. Attention, et la tablette rejoint la game. J'étais. Quelle couleur, moi? Les blancs. Ou les noirs, je sais T'étais plus. les noirs, moi j'étais les blancs. Et c'était à toi de jouer. Non, je mets pas la couleur du coup. Rouge My... comme le sang. Rouge On comme le sang. notera que ta couleur n'est pas présente sur la table d'ailleurs. Ah, c'est vrai. Actuellement, tu joues mais en télétravail. Putain, je règle cette histoire de Choose Your Colors. Marron chiasse. On est côte à côte, hein. C'est. Au choix, en fait, le même. Quoi. C'est du 2v0. C'est du 2v0. Nouveau concept de jeu. Du coup, c'est à qui te joue? C'était à toi. Je dis pas ça en trichant. Hein. Au pire, j'ai la VOD de la dernière fois, hein. Je peux savoir. Hein. Non, mais c'est bon, je te. Oh, de toute façon, ça me arrange si c'est moi qui. Non, je vois qu'il y a beaucoup de cadavres de partout, mais. Ah, c'est un champ de mine. C'est un champ de mine, effectivement. C'est vrai que Alors, à toi. j'ai même pas vu où t'as joué. T'as joué ton commandeur, non? Non, lui là. Le tank léger. Petit tank. Attends, faut que je me souvienne des... Alors lui c'est un petit, hein, c'est ça. Il peut bouger de 5 cases. Merci ami de la lanterne. Alors, un, T'auras beaucoup un, de lumière, comme deux, ça tu vois bien ce que trois, tu fais. quatre. Ah là, toi. Le mec, il va mettre le feu. Ce serait marrant si tu pouvais. On Non, met le mais feu, hop. on peut pas mettre le feu dans Attends, le jeu. on fait un rythme satanique. On va invoquer. Non, j'ai pas dire le H-Man. Ce man qui commence par avec un H. Ce silence pesant. C'est vrai que sans musique, l'ambiance est pesante. Tank Control. À moi. C'est vrai que tu fais ton truc de CRS là. Cordon de CRS. Là, je passe là. Ah. Vous passerez pas, hein, point. Tu as 1, joué ou pas là, 2, car je te vois dépasser. Attends. Je suis en réfléchissement, Jean-Pierre. C'est mon arme. Ah oui, tu essaies de venir me le... En fait, s'il n'y a plus de musique, c'est normal. On a tué le mec qui faisait la musique, du coup.
Alors, c'est 4, hein, ça. C'est quel, combien de déplacements, ça? 4. 4. Alors, 1, 2, 3, et 4. Et pan! Il me fait à pisseau. Oui, je te fais un bisou. Paf! Mais derrière, tu me le... Ah, je suis pas loin de ton commandeur, en vrai! Ah, c'est vrai, ça. On a tué le mec à la musique. Oh, merde. C'est vrai que la semaine dernière, je t'avais sorti Jean-Michel Flûte. Le joueur de pipeau. Attends, il va se passer un truc pas très bien. Ah, il va se passer une dinguerie si tu fais rien là. Je pense que vite tu me casses. Hein. La game qui. Tu vois, la dernière fois, il restait. Putain, la fuite. Imagine, on s'est arrêté alors qu'il reste 5 minutes de il restait 5 minutes de game. Ah oui, tu t'es réfugié dans les jupes de ton destroyer. Il va chez ton pote, il fait 100 km de mètre pour venir au final la partie et ça se finit en 5 minutes. Voilà. On fêtera la semaine prochaine, 5 minutes après le début de partie. Bam! Perdu. Oh mais zut alors! Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il reste quoi de ce côté à part un mortier de ses morts? Un mortier de ses morts et un destroyer. C'est vrai que là. Attends, il te reste 3, 4, 5. Moi, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on est à égalité. Ah, elle est close la game. Hein. Que tu sais ce que ça veut dire. Ouais. 1, 2, 3, 4. Et pam. Pan. Mort. Attends. Un, deux, trois. Voilà, ça fait quatre. Mais tu sais que c'est en haut qu'il faut que t'ailles. Ouais, j'ai mais je contourne. Ouais, je te vois tirer chez vers la droite. Oh, je sais que tu veux passer dans un petit trou. Pas le petit trou, hein. Le sang, le milieu, c'est une hécatombe quand même. À toi. En fait, on ne peut plus passer, je crois, par le milieu. Tout simplement. Attends, il te reste quoi? Attends que destroyer. Il te reste que 2 tanks destroyers et un petit tank. Et le 1, co 2, commandant. 3, 4, 5. Attends, t'as pris une cassandre en troll là, non? Non. Vous avez rien vu. Je crois que j'étais là. J'ai pivoté. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bon, en réalité, je suis là. J'ai à moitié corrigé mon erreur. Je n'éternais pas vraiment sur une. Et seul mon avocat me dira. Attends. 1, 2, 3, Attends, 4. tu peux reculer que t'es une case porte. C'est tout. 1, 2, 3, 4. Le casse. J'ai vu le traquenard. En même temps, je me fais avoir parce qu'il y a ton mortier derrière. Après, là, j'ai pas. Il n'y a plus aucune strat en fait. C'est la débrouille. Hein. Le petit coquin, il. Ah oui, je sais ce que tu essaies de faire. Un, deux, trois, quatre, cinq.
Allez, ciao. Tu sens le plan qui va vite. Oui, je le sens très bien. Alors, 1. Je dis 1, 2, 3. Et 4. T'as pas besoin de lui te faire. Quoi? T'as pas besoin de le faire sans faire ce que le temps que. Comme moi. Ah, parce que tu penses que je m'enfuis là? Bah oui, que. Plus que tu pars vers le haut. Ah, mais Eh, attends. ah, mais merde, j'avais oublié qu'il y a un petit tank en haut qui est tout seul depuis tout à l'heure, qui a rien fait depuis le début de la Bah partie, oui, j'avais c'est pour oublié. ça, je vais le chercher comme ça derrière, il n'y a plus rien là. J'avais totalement Ah oui, oublié. je vais le chercher. Ça, tu le joues, tu le Bah vas-y. bouges. Je vais le chercher, hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'unités à droite. À moi. Là, elle est mortelle, ça met de la pression quand même. C'est ça. 2, 3, 4 et 5. Ah, je vois que ça prend la poutre t'es escampette. Je fuis le combat. Si tu ne Comme peux pas gagner le combat, fuis. Ah, c'est bien. Puis là où tu t'en. Ou là où là au milieu, c'est vrai que c'est un petit peu la misère. Hein. Ah, ça disait de décider de bouger. En fait, il en avait marre de rester tout seul à la passe, tant qu'il part. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors ça c'est pas tant que le Thierry sur allait, on dirait. Mec bourré. Je suis bourré. Non mais un destroyer, on est d'accord que ça qu'un. Ah oui, ça a 2 de armor. Oui, du coup tu peux rien faire avec ton commandant. Tu peux toujours essayer, mais je veux juste puter à la place et j'aurais gagné, tu vois. Alors deux range de plus, on est d'accord que c'est 2 et plus, hein. Ah, c'est non, mais ça marche pas. C'est que je sais pas pourquoi il manque plus. Ah merde. On va demander on verra pourquoi il y a manqué plus. Si je trouve. Fais pas attention à ce que Fais pas attention. Fais pas attention. Je rigole. Jamais je le ferai. Captain. J'ai fui le combat, comme on dit. D'accord. Remets le paquet trail dans le petit sac. Dans le petit sac, ouais, bon, la physique, on l'emmerde. Ah oui, mais tu es pas retiré. Ah, j'ai fui, hein.
Ça réfléchit très fort. Les cerveaux sont en ébullition. Attends. À toi. Bah, je crois qu'il est mort quoi qu'il arrive. Qui? Bah, le petit tank. Parce qu'une range de 5, c'est vrai que ça pique. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Mais fais pas attention, il y a une pochée qui fait des trucs. Voilà, des trucs mystiques. Eh bien, je crois que c'est gay. Je crois que t'as gagné. Parce que quoi que je fasse, je pourrais pas le rattraper. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est GG. La pression du mortier. Et maintenant? Ah, ça, la vie. Ça... Attends, je vais te montrer comment il fait pour repartir. Voilà, il est parti. Eh ben, GG. Et tu sais comment finir cette partie en beauté? Ouais. Attends. Mais non, attends, il fallait pas le faire tout de suite. Faire un truc. Ah, non. C'était. Ah, bah, le mortier m'a eu. Hein. Trop de pression. Voilà. T'es là, tu te dis qu'il y a un truc pas très normal, il y a peut-être un plan vide. Ah, ouais. C'est. Et maintenant, regarde le truc qui est comme. Ouh, le Zestroy. Et ça vole, il pleut. Il pleut tes toc. Il pleut bergère. Et ben voilà, c'est lose. Et c'est gagné pour le maître de jeu. Oh, ça veut partir sur les jetons. Ah non, sur le strip poker. Ah bah non. On le fait en webcam. Oh no. Là, ça ressemble plus à une table de blackjack, mais je ne suis pas expert. Hein. Je prends une carte. Ah, mais ma carte. Oula. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu viens de casser la physique. Ah, la table, elle a fait un. Elle fait des retournées acrobatiques. 10 sur 10 en gymnastique artistique, le machin. T'as fait cher, je regarde ce qu'il y a. Car je suppose que toi tu n'as rien. Ah non, j'ai rien, j'ai que. Moi je ne suis que le joueur, que je ne suis pas. Mais c'est d'accord. Après là. Là, je regarde ce que je fais. C'est vrai que ça marche pas. Ah, de music. T'as pas faire spam les messages d'erreur. Par message d'erreur, ouais. Pas avoir grand chose. Ah, on est dans le jardin. Football. Je sais même pas comment ça. Non, attends, je crois qu'il faut que tu utilises le flic là. Oh là, attends. Tu déplaces les pièces comme ça. Mais je sais pas comment ça se joue, c'est autant partout. Ah, au revoir, ça y est, le joueur qui part. Un joueur éliminé. Et un joueur quitte le terrain. Et un autre joueur est sorti du terrain. Attends, on dirait Mario. Ah, et un autre joueur quitte le terrain.
Très bizarre, hein. Et c'est le Et but. voilà, j'ai... Alors, le but, c'est quand même mettre son gardien dans le but, hein. C'est tout ce que c'est ça. Ah mince, ça a carté la top là. Tu connais ce jeu alors que c'est Mastermind, non? forcément pas. Ouais. Comment ça? Non, mais non, possible. Et Tam chi non. Non, je n'ai pas. Ah, en gros, faut que tu ailles de l'autre côté. C'est les pleux, faut que tu ailles dans le rouge et tu peux te déplacer avec une case par tour. Et bon, attends, c'est pas très intéressant, faut dire. Et tu peux passer par-dessus les sautres, et c'est le premier qui atteint l'autre coin qui a gagné. D'accord. C'est spécial, hein. Non, mais ici, on a des trucs au cerveau, en tout cas. Oh, les échecs! Je connais pas les règles. Et c'est même pas une blague. J'ai pas joué aux échecs. Mais attends, y a pas plus de soucis, il est pas genre un peu petit le plateau Ouais, comparé à la table. je crois que c'est les échecs, mais pour enfants de 2 ans. Hein. Échecs pour enfants de 10 ans. Oula. Et salut. Hein. Ah, les dames. On aura toujours une petite table, mais quand ce qu'on fait qu'on a une énorme table, c'est vrai que... Ah bah on est toujours. Hop. Oula. Triac tout Tu trop. connais ce jeu? C'est quoi? Il faut que tu... Bon, à te, on peut pas échouer, mais c'est un jeu qui est très très marrant. Trolley. Trial bah trollé. Ah oui, ça télécharge des trucs, d'accord. Je vois un peu les règles. Chaque équipe joue une carte d'innocent. Ah, Attends, je l'ai là. je ne connais pas. Mais s'il faut être beaucoup. Il faut attendre au moins 3, je crois. Ah, ça sort des cœurs et tout. C'est Ah oui, pas ça. ça que je voulais sortir, mais... The club. The diamond. The spade. Ah non, c'est bon, je l'ai trouvé. Je vois ce qu'il me faut. Là, ça télécharge des trucs. Tragarica, il y a les expansions, mais il n'y a pas. C'est la fois que j'avais essayé. Attends. J'avais pas vu l'arrière-plan. Donc Il n'y a disons. rien. Enfin, moi, on a en arrière-plan, je vois tu plan. Moi, je vois une maison. Sans doute la maison du dev, hein. Du jeu. Ils font Là, plaisir, les gars. tu le vois peut-être. Par la fenêtre. Alors, pour te dire, la fenêtre, elle est hyper éblouie. Le mec, il s'est fait plaisir, hein. Le péché. Attends, je t'explique les règles. Ah ouais, ça télécharge beaucoup de trucs. Hein. Le péché, ouais. Désolé, monsieur. Désolé, mon prêtre, j'ai péché. Ne pas confondre, je peux aller. Alors, en gros, attends, je vais te me souvenir tes règles, je sais. Pire que ça fasse finir la bataille, hein, cette histoire. Qui se fait en équipe, en fait. Tu as un joueur qui est le conducteur du train. Ah, parce que c'est un train? Il est beau le On train. est à 3. Keystarter Impension. Ah bah d'accord. Je n'ai pas de Keystarter donc. Et en gros, tu as deux équipes qui se font. Ouais. C'est tes équipes qui changent au fur et à mesure de la partie, tu sais, c'est à chaque fois ça change. T'as un joueur qui est neutre. Il faut montrer deux cartes avec la tête d'ange là. Ah, c'est Et bien. équipe, il se truc, tu vois, il faut ça. Et là, il te met la dernière carte qui est la carte du deck diable. Méchant. Ils peuvent mettre aussi un modifier au-dessus d'une carte ou d'un personnage. Du coup, ça fait ça sur les deux trucs, tu vois. Une équipe en bas et une équipe en haut.
Du coup, le plus touché, tu as le conducteur, le joueur là, lui qui est tout content, qui se promène avec son trolley là. Mister Trolley, ouais. Et en gros, si tu veux, les joueurs qui sont dans l'équipe, ils doivent convaincre le conducteur. Et c'est ça, le conducteur, tu seras, tu vois, il y a, il doit, il a que deux choix, il doit écraser à tes, une de tes cartes. Soit il Ah, écrase d'accord. celle du haut, soit celle du bas. Et le but en fait de l'équipe, c'est de convaincre le conducteur de train d'aller écraser l'autre, les adversaires. Et il est convaincu, il le convainc comment? Avec les cartes, genre par exemple là ils disent, tu vois, c'est par les cartes en fait. Par exemple ici là tu peux voir là qu'il y a le hanche Enfin, j'ai pas encore les cartes le de téléchaud installées. ah, et en gros tu as tes cartes qui vont être différents Là, je vois que c'est une carte diable et là une carte ange. Si tu passes par là, tu écrases un mais vieux. Est-ce que tu le ferais? en quoi voilà, mais c'est à peu près ça. Et du coup c'est un jeu qui est Ah, ok. totalement what the fuck. Ah oui, Bon, après d'accord. il faut être un minimum 3, car du coup t'as le tuteur neutral et au moins un mec dans chaque équipe. Et du coup c'est totalement what the fuck, car genre et sur les cartes ils se sont lâchés. Je crois t'as une carte avec Donald Trump, des trucs comme ça, je crois. Écoute, si tu passes par là, tu peux écraser Donald Trump, ça ne se refuse pas. Ah, je vois. Ah oui, j'ai toutes les. J'ai les cartes qui sont. Putain, le. L'épingle là, le. Ouais, on peut appeler ça une. Non, c'est quoi déjà ça? Ouais, c'est une épingle de Windows 95. Frère! Je te conseille de passer par là, tu peux écraser le mec de Windows. Moi, je ferais ça, hein, à ta place. Oh bah, tu m'as convaincu. Pem! Et à chaque fois que tous ceux par qui ils passent là, par le corps qu'ils choisissent qui bute, ils prennent tous un château de mort. Et le joueur qui a le moins de château de mort à la fin de la partie, c'est lui qui a gagné. Je vois, je comprends le but du jeu. Ah, écoute, tu peux écraser un enfant, franchement. Qui ne ferait pas ça? Ah ouais, tu peux avoir des... En plus, tu peux avoir des combinaisons de gros bâtards, hein, parce que dire, ah, attends, c'est un enfant écrasé, qui ne ferait pas, qui n'écraserait pas un enfant? Ah, je comprends le but du jeu, ça peut être marrant. Mais il faut être plusieurs, ouais, faut être au moins trois. Et si tu connais très bien la personne qui est le conducteur de train, tu peux dire, écoute, mec. Avec les sentiments. Frère, à quel moment tu n'écrases pas un enfant? Là, tu peux écraser un rat. T'es mal à la taille du rat. Regarde un petit peu les autres cas. Tu peux écraser un Après tu grand-père. as tout ça. Tu peux écraser un grand-père, non mais. Ah, je vois que tu peux écraser le chien de John Wick. Ah, je vois ça. Attends, ça normalement c'est les carte par défaut, ça normalement C'est des c'est là où cartes. t'as les deux gros paquets là. Ah oui, t'as les cartes hésitation. Je vois. Non, ça c'est modifiant, ça tu le mets au-dessus de ta personnage et ça stun ses Ah oui, d'accord, j'ai pas. précisions sur lui qui peut changer la tonne. C'est juste que la carte, j'ai pas encore installé. Par exemple, là est-ce que tu irais écraser un groupe de grand-mère en train de manger? Bah oui. Ou est-ce que tu irais et écraser tes filles scouts qui vendent tes cookies dans la rue? Ah, le choix est cornélien. Les deux méritent de crever. Bon, pour le moment, les cartes se téléchargent de mon côté. Par exemple là, tu peux. Est-ce que tu veux écraser au sapin la tête mort? Oui. Pourquoi écraser quelqu'un qui est déjà mort? Par exemple, est-ce que tu veux écraser un pio terroriste qui essaie de transformer Smallpox en une arme? Je sais pas trop ce que c'est Smallpox, Bah, là, je mais... peux pas te dire parce que j'ai pas encore les cartes. J'ai les cartes qui s'installent de petit à petit. Est-ce Mais que c'est tu vrai. veux écraser Georges Lucas? Ah oui, tous les jours.
T'imagines une version française, t'aurais droit à Emmanuel Macron, tu aurais droit à tous les hommes politiques en fait. Veux-tu écraser Éric Zemmour? Ah bah écoute, je pense que oui. Puis on va t'accuser de d'antisémite et puis voilà. Tu finiras non pas dans un train mais dans un cachot. C'est pas de chance, hein. Ah moi ça peut être ouf hein, ça. Mais il faut être avec des gens Avec qui vivent le même humour. suivant le groupe que tu es, ça peut vite partir en cacahuète aussi. J'avoue. Mais ouais, en français ça pourrait bien rendre. Veux-tu écraser Gérard Depardieu? Ah là ça va être compliqué, c'est plutôt le train qui va prendre. Hein. Tu vois, il faudrait t'as des cartes qui t'empêchent de l'écraser. Ouais, ça serait. Bah ça peut être marrant, ouais. Après, bien évidemment, le problème c'est qu'il faut être à 3. Ça c'est les jeux chiants. C'est les jeux que je considère comme chance. Si t'es pas deux joueurs, bon, tu peux pas jouer. C'est quand même comme Names. C'est sympa, mais il faut être plus, au moins 4. Au secret Hitler. Oula. Oula, c'est bizarre, dit comme ça. Bah c'est je te roule caché aussi. Un jeu de rôle caché, vous jouez un nazi Bah, lors je de la crois que seconde. c'est les fascistes contre ceux qui sont pour les démocraties, je crois. Ah oui, Là, avec. d'accord, les sales bails. Hein. Il faut que tu découvres qui est Hitler, je crois. Ah le. Il faut Un jeu de. qu'il se fasse élire par la majorité, du coup tu manipules les. C'est un peu Among Us, quoi. Ah oui, Among Us, mais version années 40. Ah non, j'ai le jeu parfait pour. Ah, ça se télécharge. Ah, ça va vite. Deal or not deal. Ah là! Prends-nous à laisser, en français. Je sais même pas comment ça se joue. T'as un candidat qui joue. Oui, non, mais je veux dire, là, la version Ah, t'as sur le jeu, proposé, oui. je sais comment Oula, oui, ça se joue. effectivement. Attends, un dé. J'avoue que c'est. Je sais pas comment ça se joue. Ouvre la 6. Y a rien. Attends, je vais juste faire un tour vite fait sans voir. Je vais chercher un truc. Qu'est-ce que tu fais? J'entends des bruits puissants. Bah t'as des Smarties. Si je fais ça. Ah on peut pas retourner, les mecs sont prévoyants. Merde, les Smarties. On sent mon fond en arrière-plan, je change. Putain mais les Smarties c'est un coup à niquer l'ordi. Oui, Parce qu'ils sont à l'infini. Allez, dégage. Téléchargement terminé. Offre de la banque. Je vous propose un Smarties. 500 balles. Bah, va te faire enculer. Ça, tu peux gagner. Ah, c'est vrai, c'est le jeu de l'enfer où tu peux gagner un centime. Pas du tout malheureux. Hein. Ah voilà, j'ai trouvé les deux jeux que je voulais. Un centime. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai compris comment ça se jouait. Voilà, on va jouer à ça. Il faut qu'on arrive. Non, c'est. Ah, je troll ça. C'est comme tu peux voir, c'est le champ possible où ça te renvoie à l'arrivée. Tu vas attra Où t'es pas quasiment partout. tu as attrapé Ebola, tu perds un tour. Comme le dit Yoda, pour le reste de du jeu ou meurt instantanément. Bon rôle, retourne depuis le début. retourne depuis le début, va à deux places. Si tu es ici au premier tour, on va te faire foutre parce que c'est le début, espèce de tricheur. bon sentiment JPG. Bon après je vais pas tout redire mais bon. Est-ce que tu as souscrit à mon autre jeu Bingo Woundies Aventure? Acheté au 100, au 200 2000e siècle 2000 non 1000 miles. Une image qui est requise n'existe pas. Inger.com. Ah oui d'accord c'est des images.
cette image. Ouais, visiblement, le jeu, il est mort, je crois. Ah oui, le jeu est cassé, il n'y a plus les images. Je comprends pas pourquoi elle est... Tu sais, ça... Il y est pourtant. Et je sais pas comment on y joue. Non, je crois que c'est que... Oh non, c'est que, en fait, le côté... Ah oui, c'est le derrière qui est mort. Oula. Le plus grand nutriment est mitronné. Après, je comprends pas pourquoi les choix, ils ne glissent pas le Steam Cloud. T'as genre, je crois, HK, tous les choix, ils sont HK et qui marchent très bien, mais je sais pas, les gens peuvent faire les éparchés sur tout site qui... Ouais, des sites bizarres. À la fin. Bah, surtout ingur.com, hein. Vraiment, c'est pas là où faut stocker ces images. Hein. Je sais plus comment, je sais plus du tout c'est quoi les règles de ce jeu, mais... En gros, il faut être le pire humain possible de la Terre. Je crois que tu fais tes phrases ou une connerie dans le jeu. Le Big Bang. Ah, qu'est-ce qu'il y a, un gars là, c'est incontrôlable, le Big Bang. Ah, je pense que j'ai compris, tu mets une carte noire. Et tu dois trouver la pire phrase possible avec les cartes que tu as en main. C'est un truc comme ça, je crois. Bah, je crois que ça se joue comme ça, après je peux me tromper. Mais après, c'est en anglais aussi. Si tu connais pas certains mots. Mon esprit, mon âme. Qu'est-ce qui me donne des gaz incontrôlables? Mon âme. Ah non, attends, j'ai trouvé le meilleur. Le masque, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Bah, par exemple, typiquement, il y a des mots que je connais pas. J'ai trouvé un truc un peu mieux. Ouais, c'est ça qui est bien sur le workshop. Là, tout ce jeu, je vais te le trouver à l'instant. Du coup, je l'ai téléchargé. Voilà. On peut y jouer. Carte contre l'humanité. Oui, c'est le nom du jeu. C'est le même jeu que tout à l'heure, mais là, c'est en plus avec un plateau. Quoi. Ok. J'ai absolument aucune idée de comment ça se joue. Ah non, il y a marqué dans les règles, en haut, dans le notebook. J'ai piqué des cartes. Carte Humanity. Harry Potter Erotical. Ok. En fait, c'est chacun fait tes phrases et t'as un autre joueur qui choisit sa phrase. Et tu as le juge qui choisit la phrase qu'il préfère. Alors, le mindset, la conversation. Ouais, je vois ça. Des trous du cul pour des trous du cul. Sûr que t'as une. Science. Un truc plus tissu généralement. Des trucs comme ça. Là, j'en vois pas. Cartagas Humanity. Après, ils ont pas tous des noms. Portugache. Alors, déjà, je ne parle pas portugais. Bah, alors... Et voilà, tu vois, c'est H.E. qui joue 4-3 vu qu'il faut au moins deux gens qui s'affrontent et à qui est le juge. Ah oui. Mais c'est les jeux un peu social comme ça qui peuvent. Qui peuvent aussi finir. Attends, j'essaie de traduire. Pour les galets oppositionne. Je suppose que c'est des opinions politiques. Si c'est pas ça, bon. C'est quoi, t'as pris le truc portugais? Oui, j'ai pris le truc brésilien. Il y a aucune raison de pourquoi je l'ai pris, mais sachant que je parle pas un mot portugais. Autolipunantia. Bon, ça c'est pas compliqué. Crier de colère. Non, je sais pas. En vrai, je sais pas parler portugais. Pulito gigantes. Non, en vrai, je sais pas. En temps l'anglais ça passe, mais. Ah, Joking Hazard. Ah, bon, les cartes s'installent de mon côté. Ah. Ah oui, ça, je crois que c'est pareil aussi. Regarde comme tu pourrais avoir. C'est HE à peu près dans le même type, c'est simplement que le style TK. Tu es un putain d'idiot. Un mec qui a pété. En gros, faut que tu fasses les situations les plus marrants, je crois. Et t'as un mec qui juge. I have AIDS, c'est juste. Bon, après, c'est un truc totalement vulgaire. Ouais, c'est juste. Voiture secrète, c'est quoi ton succès pour réussir? Attends, tu as par exemple cette carte là. Mimolé. C'est quoi la clé de ton succès?
Mille mollets. Ou tu vois celle-là aussi. Comme ton cul. Tu es tellement une personne négative. Après, tu as tes. Et celle-ci, c'est la dernière fois que je vous vois. Ah, tu as celle-là aussi. Ah, la technique de l'eau de Javel. Frérot, il se lave les yeux avec l'eau de Javel. C'est comme si t'aurais vu des films de merde. C'est comme si tu. Ça, c'est ce que tu fais après avoir vu un film de Danny Boone. Eh ben, attends, j'ai une tête de phrase tout con. Cool, mais... Putain, il y a tellement de phrases. Voilà, je vais juste faire un truc en trois phrases. Trois cartes. Voilà. Il utilise Hey Sexy. Hey Sexy. Ceci est la dernière fois. De... Et après, il dit qu'il ne l'a plus jamais vu. Raconte-moi une histoire. Non, attends, j'en ai une. Mais j'ai... Raconte-moi une histoire. Hey Sexy. Hein? Hein? Là, il y a des trucs marrants. Attends, je vais ça, c'est glauque. À ton histoire. Ça, c'est... Papa. I am a woman. Non, il faut dire... Ça... Et celui-là, il échoppe le... Enfin, non, pas du tout. Après, on peut faire des phrases comme ça. Merde. Bah alors, j'ai la maladie de je peux plus prendre des cartes, c'est ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc. Ceci était attends, fantastique et c'est la dernière fois que je vous vois. Ouh. Je sais pas. De ce que je vois par le dé, ça a l'air d'être 18 plus, non? Non, je crois pas. C'est un truc de... Donc, genre, aucun tel... Ça, c'est un sale de mon côté. Aucun plus, c'est cute moi, Power Bust. Perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, moi j'ai vu ça sur le. C'était dans les plus téléchargés, donc je me dis que c'était safe. Allez, je crois que... Si c'est je plus. Crois que je me suis trompé, je crois. Ouais, ça m'a l'air d'être un truc 18 plus. Hein. Mais derrière, j'ai un truc de Weeb. Non, pas de Weeb, mais de gros kick. J'ai des. Oui, arrière-plan. Tu... J'ai un arrière-plan avec des Seigneurs des Anneaux, Avengers. Putain, mais je suis dans une chambre d'adolescent américain là, ou quoi? Ah, non, mais faudrait que j'aille te voir ce cheveu, il a l'air totalement rigolo. Mais je crois pas qu'il est plus qu'il est issu. Enfin, je crois que c'est juste. Enfin, tu vois tes filles en moyenne. Oh, ça va, ça. Je crois pas qu'il y a de la nudité, quoi. Bon, j'essaierai de voir. Canadé Tashibana. Ah, c'est un truc d'anime, ouais. Enfin, Canadé oui, Tashibana. T'as animé. Ouais, c'est dans Angel Beat. Attends, je vais voir si je connais. Yuli. Yulu Yuli. Non, je connais pas. Bah, ouais. Voilà, tu vois, là depuis tout à l'heure, je fais que regarder les premières pages du workshop et je trouve des. Et je fais que tout télécharger les trucs rigolo qu'on peut jouer comme ça. Kaminozi, non, je connais pas. Ah, bah, Shingeki no Kyojin, bien évidemment, ce que je connais. No Game No Life, oui, mais je connais pas ce personnage. Ah, il y a Alicia de Goiter. Nono de Top, ça je connais pas. Ah, Revy de Black Lagoon, je la connais. Katai Collection, je ne connais pas. Hyper Dimension Mantunia, bien évidemment que je connais. Allez, au change. Ah, mais je regardais les cartes. Bon, y avait deux persos que je. On va jouer à Pokémon. Sérieux? Oui, oh c'est rush. Oh putain, bah vu ce que j'installe, à l'aide. Oui, moi aussi, là, mon article, là, il est en mode. Disque dur, il est à 100% depuis tout à l'heure. Autour de. Mais après, toi, pour les jeux comme ça, faudrait plutôt que les. T'es les charges avant.
pour que tout aille sur ce que tu. Ah, t'inquiète, là, ça. Là, tu vois, on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je te fais montrer un peu comme ça, mais il faudrait qu'on essaie de se planifier. En vrai, le jeu, l'autre jeu là que tu as montré, en vrai, pourquoi ouais, pas. mais franchement, je vais la semaine, je vais aller à et si c'est bien, franchement, il y a moyen qu'on y ait. Ça avait l'air rigolo. Ouais, je crois que bah, j'ai reconnu que trois persos que je connaissais, mais au moins, voilà. Ouais, mais ça avait l'air plutôt ça, mais rigolo. Ah, pour moi, c'est bon, ça finit de me chercher. Après, il y a celui-là aussi qui est. Moi, je suis à Je vois. 50%. Je suis à 50%. Oh, ça se joue. Don't forget to check the custom house keys. Ce jeu, c'est. En fait, c'est genre, on part tous à la truc. C'est comme si on jouait ensemble Pokémon, quoi. On part chacun. Mais c'est en multi, quoi. Et c'est en jeu de plateau aussi, évidemment. Jamais je vois Topin qui change. Pareil. À un moment, tu as 466 Topin. Ah non, 999. Ah, pareil. C'est marrant, je crois qu'on a les mêmes chiffres. Moi, je suis à seulement 50% de l'install. Ah ouais, mais c'est ce que tu es en train de télécharger en même temps, du coup. Ah oui, forcément. Du coup, Oui. ça te fait Des gros freeze. Et si tu veux, je peux foutre le portail sur la table durant que tu télécharges. Cet APC, il prend feu. Non, c'est pas, honnêtement, c'est pas le disque hein, qui prend cher, c'est la carte Wi-Fi. Oui, c'est le temps d'installer tout qui prend. Bah, t'inquiète, là, je suis à 70. Je suis à 70%. Télécharge le plus de workshop pour que ça aille dans ton disque dur. Pas pour que ça se. Car moi, c'est ah, que. Ah, ouais, là, y'a pas les beaux. Ouais, mais les trucs. Après, t'as pu sortir. On est à Union Police. J'arrive à reconnaître la ville, ouais, c'est Union Police. Quelle ville? C'est la ville d'Union Police dans Pokémon Ruby Zaphir Emerald. Bon, plus particulièrement, c'est Pokémon Ruby Omega et Zaphir Alpha, mais bon, on s'en bah, va un peu. Non, je crois qu'il fait. J'appelle il marche jusqu'à la copette. Je n'ai assez. Bon, je suis à 80%, mais le plus gros reste à venir, j'ai l'impression. Je sais pas comment ça va priorité, ça. Les trucs. Ah ouais, t'as même des persos. Ah oui, pas des persos, si, des tokens, ouais, bon. Bio, tu as le token de... T'as Red, Jaune, Pierre, du je reconnais pas, lui non plus, et Yablou. Après, chose, c'est le skin. La bouteille 3 têtes, comment ça s'appelle? Ah non, c'est Ondine. Oui. C'est Ondine, Red. T'as Pierre. Pierre. Blue. Et les deux autres, c'est les personnages de Let's Go. C'est bon, t'as fini de. Je suis à 100%. Ouais. T'as vu que t'as fini alors que c'était à 100%. Ah, il est à 100%, mais il me dit qu'il y a encore un truc. Sous ma gueule. Je pioche une carte. Célébi. Ok. Le mec, il commence le jeu avec Célébi. Tout. Il commence le jeu avec Célébi, le mec est. Bah, bien. Missigno. Ah, ouais, d'accord. Elle a une carte. Alors, par contre, je sais plus du tout comment il se chose ce truc. Ah, le cadeau de 4 d'oiseaux. Ah, c'est pas moi qui... Attends, il y a les règles ici, là. Il y a les règles. Elite Trainer, Achievement... Mais en gros, il est super complet, ce jeu. Ouais, c'est ce que je vois, en même temps... C'est vraiment, tu captures tes trucs, t'affrontes les sauts de mouchoir, tu vois, t'as l'arène de Copa, à droite, là. C'est ce que j'ai vu, là. Je sais pas comment on peut se déplacer en libre. Bah ouais, puis il faut y penser au mec derrière qui l'a fait. Hein. Et après, attends. Et celui-là, là, le truc en fait, c'est que la carte est aléatoire. Plusieurs. Ah mapas, en fait. Et en fait, tu crées le terrain au fur et à mesure que tu joues. Ah oui. Du coup, ça fait que si tu fais deux parties, bah, t'auras pas la même carte. Quoi. Ah oui, c'est un petit et côté après, et après, tu vois, par exemple, là, sur.
Pivotor là. Le champion de la reine c'est Pierre. Enfin Brooke, je crois. En anglais ouais c'est Brooke. Ah, Carolina. Et du coup tu l'as réellement. Attends. Voilà, ici là. T'as réellement les différents. Ça va. Bon là, Giovanni. Bah, tu as Giovanni, le chef Bardane, de la Major Bob, Tanguy, Pierre, Charles, comment il s'appelle, Hector. Je connais dit... pas moi, tu sais. Ah, moi je les connais tous, hein. Auguste, Janine, Albert, Mortimer, Strychna, Flo. C'est ouais, alors c'est qui? C'est Marc. Ouais, Marc. C'est le champion de Union Police. Alizé. Les jumeaux Tati et Lévi et Tatia. Peterson, tiens, un champion de la BJ. Norman, bon lui il garde son nom anglais. Valerian. Putain, elle s'appelle Valérie, pourquoi avoir traduit son nom? Chuck, bah lui il change pas de nom. Adrian. Jasmine, ça a pas changé. Sabrina, c'est Morgane. Bastien. Voltaire. Kaku, Kabou, ça a pas changé, c'est pareil. Et c'est tout. Ah, il en manque alors. Non, pas tout ça. Non, c'est que les champions. Oui, pas tout ça. Après, ici, là, t'as les autres. C'est pas tes champions, pareil. Ah, Rikna, Erika. Ah oui, c'est des, juste des champions. Agathe. Qui est un membre du conseil 4, Goya. Putain, Goya, maître de Nice dans Pokémon Noir et Blanc. Ondine, Morgane. Oh putain, avec le skin immonde de Let's Go. Ah non, mais les skins dans Let's Go, j'ai envie de cracher sur les devs, hein, c'est de la merde. Ethan, c'est Ludwig. Non, c'est pas Ludwig. Je sais plus comment il s'appelle, le champion, le dresseur de. Il a un nom à chier en tout cas. Le dresseur de Ergot Subtiver. Blue. Ah, Flora. La plus connue de tous. Il s'appelle. Aldo en anglais. Il s'appelle Bruno. Putain, mais ça a chier. Bruno. My name is Bruno. T'as des fois les traductions des noms. C'est un délire. Red, bon bah ça a pas changé. Kelly. Ah bah ça a pas changé en anglais, en français. Green. Bon ça non plus. Simcha. Le traumatisme. Oula, il se passe des choses. Koga, Celestia, un truc comme ça. Bon, Peter, Silver, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le mec qui a un cancer. Olga, Chiron, c'est Chiron. Putain, mais mec, plus d'efforts. On a la flemme de faire des efforts. Hein. Du coup, pour les Pokéfions, c'est comment? Attends, je cherche. Où sont les Pokéfions? Normalement tu peux choisir. Oui, c'est scripté. C'est ça. Waouh! Comme tu le vois là, le jeu il se construit automatiquement. Ouais, je vois ça. Il y a des cartes qui se. Ouais, les cartes qui deviennent folles. Ouais. Les cartes elles deviennent folles. Alors sinon, les noms là, que tu vois si, là. Ils sont là les Pokémon. Tu vois, t'as Emolka. Coquillas, Araquois, un truc comme ça. Tu commences ce jeu avec Medienna et Chauve-Sourire. Ah bah, vive le cancer, hein. On va y crever. Hein. Moi, j'ai commencé avec le starter plot de. C'est quelle génération? 6ème, 7ème, une tête en. Où ça? Tu vois ça où? Là, ici, là. Crookay, là. Attends, je mais tu as les 8 générations en fait sur ce. Ah oui, tu commences avec Whistempo qui est le starter de la 8G. Attends, mais moi je l'ai pas, j'en ai pas de Pokéfion. C'est car tu es pas assis à une place, c'est pour ça. Ah bon? Enfin, tu sais, c'est une couleur qui est pas là encore. Ah, mais on pourrait limite jouer à celui-là. Ouais. Car il a l'air totalement complet. Ah ouais, c'est cool. En plus, tu commences avec un Pokémon que tu connais pas. Whistempo, bon. C'est BJ. Vas-y. Non, mais tu vas les 8 générations là,
ça... Ah, non mais je... t'appuies pas deux fois dessus, sinon ça va tout faire bugger. Bah ouais, mais... Genre bugger comme ça. Non, ça c'est moi qui a fait bugger comme ça. Ouais, mais je pense maintenant on va essayer de se faire ça au lieu. Ouais, au pire on fait ça, c'est cool. Aujourd'hui, pour, comme tu es venu tard, voilà, on peut faire grand chose. Mais... La prochaine fois, on va essayer de se planifier des trucs qui durent 1h30, 1h. Et de se faire une quête entière, quoi. Ouais, ouais. Et après, au pire, si ça se retrouve longtemps, on fera comme on a fait. Ouais, pour tank. La dernière fois, vu que t'as pas le temps, bon, on peut sauvegarder n'importe quoi. C'est stylé ça, ouais. Oui. Ah ouais, bon, on pourra faire ça. Mais franchement, tu vois, bon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais t'as pas le temps, c'est quand même. Ah oui, c'est un jeu hyper complet. Les jeux de société, c'est quand même le meilleur, quoi, sur le PC. Bah, en même temps. Et il y a encore, j'ai pas essayé la VR. En vrai, en VR, je pense que c'est plus instinctif parce que bah tu peux prendre la. Par exemple, si je veux une carte, bah tu fais le mouvement. Tu peux. Peut-être t'as un truc pour mélanger les cartes. Bref, il y a des systèmes beaucoup plus. Je sais que quand VR, tu vois réellement la personne qui est assise. Ah enfin, oui. Tu vois en fait le mec. Les mains du mec et le casque, tu vois, quand il pousse la tête, tu vois la direction dans laquelle il voit. En vrai, ça peut aider, hein. Par exemple, sur ton chest, tu peux regarder où le mec regarde. Voilà, c'est ça. Au lieu d'avoir de la souris. Mais je crois qu'il te manque un peu de configuration, mais il faudrait que j'essaie. En plus, niveau performance, même si c'est du 30 FPS, on sent un peu, quoi. Ouais, ouais. Sur ce genre de jeu. Ah, mais j'ai envie d'essayer. Celui-là. Vas-y, j'ai envie de voir les autres cartes, moi, ça me donne surtout envie de faire ça. Je sais pas où tu les as pioché. Je crois que j'ai pioché. Ah oui, t'as différents trucs. Opaï, bon, ça c'est. Voilà. Monogatari, c'est. Ah non, faut. Alors, un conseil, ne jamais regarder Monogatari, c'est vraiment l'enfer. Ouais, c'est pas. C'est des séries vraiment à la con. Ah, à la con, non. Ça c'est No Game No Life, mais je suis jamais allé jusqu'au bout. Vas-y, je te laisse regarder. Tout champion de. Tempura Tenshin Sama de Working, ok, je connais pas. Hiro Manga Sensei, je connais. Keito Ayano de Sword Art Online, oui. Aobo Tsukase, non, je connais pas. Lily Rika Arcade, c'est dans Danmachi. Nisekoi, non, je connais pas. Kiwon non plus, je connais deux noms seulement. Entai Ojinto Warawane Neko. Ok, je connais pas. Ça, je connais de nom. Hero Mangan Sensei, putain, mais. Ça, c'est un truc de dégénéré aussi. Hero Mangan Sensei. Idiatsu Van Esber, c'est dans Fate. Taiga Sasaka, c'est dans Torodora. Ruri Gecko, non, je connais pas. Oh, mais quoi? Cool. Putain, les noms. Monde sans enfer. Ah, ça, c'est dans ReZero. 9 Gabriel Dropout, ok, il y a vraiment des trucs obscurs. Shiro, bon, ça, Shiro, c'est dans. T'as carrément les H des personnages qui est marqué sur les cartes aussi. Bah, il y en a certains, tu peux, mais il y en a, t'es impossible de savoir. Elma Kobayashi, ah, écoute, il est marqué sur les cartes. Ah, pourquoi je vous. Oh, putain, les persos de Komayashi. Début de l'enfer, Jibril de No Game No Life. Ah ah, Milin de Tenshura. Ah, ça je connais pas. La meuf elle est torse poil limite. Kobayashi Sensei, Tania Dangerfield, c'est un mec qui se réincarne dans une gamine à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc en gros, c'est une nazie. Bon, nazie entre grosses guillemets. Shiro de Deadman Wonderland. Ah oui, non, ça je connais deux noms seulement. Putain, les trucs de Kobayashi-san, au secours à l'aide. Konosuba, Tatsumaki de One Punch Man, Black Rock Shooter, de Black Rock Shooter, très d'accord. Le nom a le même perso que le manga. Ah, Rider de. Et Saviver de Fate. Ah, eux pour le coup, ils sont connus. Hein. Je les ai fait comme je les ai fait sur la chaîne. J'ai retiré une carte. Pourquoi tu me mets une. C'est qui que j'ai pris? J'ai eu Stéphanie. Ah, t'as eu Stéphanie de No Game No Life. Ah oui, il y a marqué. Oh, Phrasing, alors ça c'est un Ishii.
Vert de Neptunia. Il n'y a que elle. Putain, dans les trucs. Ah, peut-être dans les trucs cute, je verrai Neptune. Omura. Ah, Senra Kagura. Le remake le plus bizarre. Hein. Bah, pas le remake, mais le crossover le plus improbable entre Shenzhou Kagura et Neptunia. The Book of Bantam, ça je connais pas. Konosuba, bon, ça c'est un truc de dégénéré. Estia dans Danmachi. Ok. Il y a des trucs que je connais pas, hein, pour le coup. Genre Konosuba, je connais deux noms. Ah putain, SDF de Akame ga Kill. La sadique qui veut qu'on se faire tabasser. Putain, il y a ça aussi. Attention, les lolis. Oh putain, il y a 448 lolis. Non, 48. 48 lolis. Je suis sûr qu'ils auraient pu en trouver plus. Angel Beat. Re:Zero. Kentai Collection, je connais pas. Megumi, bon, ça c'est Konosuba. Les Mogadatari, si tu as envie de vraiment te tirer une balle. Charlotte, pareil. Ah bah voilà, elle est là, Neptune. Je connais pas. Après, bon, ça je connais pas non Ok, plus. alors j'ai lu les règles, vu que c'est dans le. C'est celui. Ah, mais non, je me suis fait chier aller en anglais alors qu'il y avait en français. Putain, mais il y en a des lolis. Par contre, beaucoup de lolis que je connais pas. Hein. Isla, ok. Alors, Oula, en fait, c'est bizarre. un jeu qui est relativement simple à jouer. Ah, ça je connais, En Tina fait, Prout. c'est un jeu. Tu vois, c'est un peu comme la bataille. Tu pioches un deck. Ouais. Et en fait, tu peux choisir que la carte qui est en haut de ton paquet de cartes. Et chaque sauteur à choix choisit une telle catégorie. Tu peux voir là parmi les 6 là qu'il y a en bas de Je vois chaque ça, hein. carte. Il y a aussi choix à essayer si tu préfères que ça soit le qui gagne, c'est par exemple, c'est celle qui est la plus grande qui gagne, qui est la plus vieille. Enfin, voilà. Et après, du coup, les deux cartes Elle, tu peux s'affrontent et choisir la catégorie que tu veux. la carte qui a la plus grosse, qui a le. Qui est première dans le truc que tu as pointé, il remporte et tu prends la carte de ton adversaire. À la fin de la partie, celui qui a le plus de cartes a gagné. Je vois ça. Ok. En Ça, fait, c'est Black. l'intérêt, c'est surtout jouer avec tes trucs. Je vois. Ah non, c'est tout. Ah oui, non, c'est le truc de l'enfer, c'est Love là. C'est le. Merde. Je crois que c'était le perso dans Black Cat, mais pas du tout, c'est tout Love Rue. Bon. Oh putain, il y a 120 normales. Ah ouais, putain, il y en a beaucoup en vrai. Des normales, qu'est-ce qu'ils appellent ça, normal? Ok. Persona 4. Ah ouais, il y a carrément de tout. Working. Sailor Moon. Ah ouais, putain, Recreator. Putain, ça aussi, je l'ai vu. Il y a des trucs que j'ai vu, Sailor Moon. Bon, ça, je connais de nom. Tes souvenirs tout heureux remontent. Il y en a certains, bon, c'est pas des bons plaisirs. Bon, pareil, un Kamiga Kill, Noragami. Ça, je connais. Infinity Stratos. Bon, par contre, il y a des trucs très obscurs. Hein. Konosuba, bon, ça, c'est assez connu. Fuka, bon, ça, c'est. Je connais, mais je crois que c'est pas hyper connu. Miraniki, bon oui, c'est connu aussi, mais c'est un truc de dégénéré aussi. Kill la Kill, putain, ils ont mis Kill la Kill. Putain, mais c'est des. Blaze Blue, ah oui, bon, ça c'est pas un anime par contre, c'est un jeu vidéo. C'est vraiment. Il y a pas que des animes, je veux dire, il y a aussi des persos de jeux vidéo. Shunkugeki no Soma, putain, j'ai pas reconnu, j'avais pas du tout connu. Baka no Test, ok. Il y a des trucs que je connais pas, hein. Re:Zero, bon oui, je connais. Guilty Crown, de la merde. SAO, bon, ça, chacun dira son avis. Putain, il y a des trucs de Ruby. Putain, c'est dire. Un Ruby, c'est même pas japonais, hein, je crois que c'est américain. Putain, mais il y en a. Oh putain, Masamune-kun, c'est en gros, c'est l'histoire d'un mec qui est obèse et qui perd du poids 10 ans plus tard. Et il veut se venger de la meuf qui s'est foutue d'elle. Bah, qui s'est foutue de lui. Ça a l'air de Ah, voler. c'est. Il y a des trucs, des fois, tu vois, je te donne le nom d'un truc, tu vois, pour juste te dire à quel point, des fois, il y a des trucs de taré. Hein.
Putain, mais les mecs, ils ont vraiment tout mis. Hein. Mais ils ont mis tellement de trucs que des fois, il y a des trucs, c'est vraiment obscur. Hein. Bon, Axel War, bon, ça va. Idol Master, Alors, bon. est-ce que tu m'entends toujours? Oui, je t'entends toujours. Track the Blood, Kano Kyukai. Ibiki no Forum, je sais pas ce que c'est. Putain, Alicia, Solitaire, tout ça. Putain, il y a même des persos de Solitaire. Hein. Mais je crois que pour le moment, j'en ai vu qu'un. Donc, je suis pas sûr que y en ait beaucoup. Putain, Naruto. Ils ont foutu. Il y a Naruto, il y a à côté le perso l'autre personnage, c'est Grisaya. Petite opposition de genre entre les deux, hein, quand même. Hein. Steins Gate, bon, ça, c'est un truc. De psychopathe aussi. Putain, bah, Persona 4. Putain, j'ai cru que c'était un stand de Jojo Bizarre Adventure, je me suis posé des questions. Hein. Oné, Space Dandy. Ok, je connais pas. Ah ouais, d'accord, ils se sont fait plaisir. Hein. Le mec qui a causé ce jeu, il s'est vraiment fait plaisir. Hein. Ça doit te parler. Non, je regarde pas, je suis sûr. Bah, je t'ai sorti la carte d'un perso de Gilanad en fait. Putain, Neo Genesis. Evangelion. Ils ont pas choisi. Ils ont pas choisi le meilleur truc hein, pour Asuka. Enfin, j'allais dire, j'ai appelé autrement. Gamers. J'ai regardé trois épisodes, je me suis fait chier. J'ai arrêté. C'est bien. C'est bien, hein. Passionnant. Putain, j'ai cru que le perso s'appelait Chobit. Je posais des questions. Hein. C'est bon, je peux chercher le jeu. Oula, il y a des trucs bizarres hein, dans ton jeu aussi. Hein. Il y a des trucs obscurs. Hein. Ah, on joue à Pong. Voilà, je suis aucune idée de comment ça se joue. C'est à se jouer avec le. Ça, je crois. Tu peux choisir la taille des machins. 3, 2, 1. Je sais pas comment ça joue. Ta race. Comment je suis. Et je vois pas comment je suis. Je comprends rien. Bah, je suis dessus là. La bite. Ouais, mais je vois pas, et je sais pas. Et pourtant, je suis sur la table. J'ai rien compris. Je pense qu'il y a un truc. Alors. Ah non, merde, il. Ah non, c'est pas. Il faut te mettre là. Sur le. De l'autre côté, là, sur le tableau. Je me mets ça et je fais ça comment? Appuie sur le. Un truc empty. Pour avoir tout le machin. Empty. Ici, là. Attends, Ah! Pourquoi ça veut pas? Vous n'êtes pas dans l'équipe de droite. Ah, faut que tu. Attends. Va de l'autre côté. Fais-le de l'autre côté, du coup. C'est bon. Oula, qui enferme. On a peut-être pas pris les. Attends, faut plutôt se mettre sur la dernière que sur la première, car. C'est pas un POV assez loin pour. Ah, c'est bon. C'est passionnant. Hein. Dire que le jeu vidéo a commencé avec ça. Hein. Et merde. Après, tu peux jouer à Tis à ça. Quand vraiment la fin de soirée en. Oula. Tu vois, la fin de soirée passionnante quand t'es bourré, c'est un petit pong. Petit casse-brique. Ah, pour l'instant, je te. J'ai un mauvais Non, ping. on va recommencer. Ah, parce que là, le score, il se met plus à jour. Hein. Je dis Si, ça. à 0 pour. Bizarre.
Vous savez, c'est vrai que Shot of Pink a 999, mais. Voilà, j'ai gagné. Ah, bravo. Bravo pour. Je peux continuer à pusher mon. C'est quand même. Ah, on peut continuer. je vois ma barre. Allez, on essaie de. Ce sera le dernier shot de la soirée. Le pooling. Jure. On fait un jeu de bowling. J'ai aucune idée de comment c'est ce show. Bah. C'est un peu ridicule. Hein. Je sais pas comment ça se joue en fait. Bah ça se joue pas. Hein. C'est une démo. Oui, ah, tu prends ta boule, tu fais flink et puis. C'est un coup à niquer le jeu, voilà, j'ai fait un strike. Nique tout. Voilà, je fais un strike aussi. T'as vu? Ah, t'as fait un strike sur 20 trucs, hein. T'as fait un strike sur 20 lignes. C'est quand même une performance à ne pas négliger. C'est comme dans les scènes animées, tu sais, quand ils utilisent leur super pouvoir là, qui détruisent tout, une ville entière. Ouais, puis la ville est reconstruite le lendemain. Et puis les super maçons de l'animation. Hein. On les oublie un peu, mais ils sont là. Hein. T'as une série comme ça, les maçons, tout ça, ils sont en mode. Oh putain, alors là. Découvrez super maçon. Hein. Ah, t'as bien Superman, pourquoi pas Supermaçon. Supermaçon. Oula. C'est quoi, c'est le jeu de la caisse enregistreuse. C'est l'oubli ultime. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, on a des calculatrices. C'est Yu-Gi-Oh! Ouais, je sais pas, ça a cherché les deux plateaux au milieu chez toi ou pas? C'est en train. C'est Yu-Gi-Oh ton jeu? Je sais pas, je vois 5000 PV, j'ai l'impression que c'est. Non, c'est pas Yu-Gi-Oh. Ah non, c'est des trucs d'employés, je vois ça. C'est joue, tu joues. C'est le Monopoly Ultime. Jure. C'est. Surpoussé, mais. Ah, tu vois mon pourcent de. Tu vois mon oui, pourcent. T'es à 96 là. Ah ouais! Ah ouais! T'es à 98 maintenant. Ah, il ne me reste plus qu'un truc. En vrai, c'est pété. Hein. Après, Monopoly, bon, tu commences à 1h, tu finis à 3h du mat. Hein. Après, ouais, Monopoly, c'est toujours une source bonne. Hein. C'est toujours une garantie. Puis ça peut être un sacré business, hein, les Monopoly. Hein. T'en as tellement. Imagine le mec qui collectionne tous les trucs Monopoly. Bon, je te laisse car je n'ai plus de batterie dans le casque. Ah, j'entends que ça commence à grésiller. Bah, merci pour cette présentation de jeu. Hein. Ah bah. Oh, je vais essayer de trouver un truc. Tu me diras s'il y a un Sherlock parmi ceux qu'on a fait. Bah, que t'aimerais jouer la prochaine. Bah, la prochaine fois, on fera son jeu Pokémon. La semaine prochaine, comme ça, je pourrais tout préparer. Bah, le jeu Pokémon et ou ouais. Le jeu là. Le jeu bizarre de la bataille avec des persos animés. C'est en vrai, celui de la bataille, il a l'air rapide. Ouais, donc. Peut-être tiens, plutôt. Le truc à faire, tu vois, si on a un peu de temps après qu'on ait fini. Ouais, on peut faire ça. Accrocheur, entre guillemets, ou truc comme ça. Après, c'est vrai que moi, je me suis pas du tout renseigné sur les trucs qu'il y a. Ça se trouve, il y a des trucs. Il y a des trucs très obscurs. Ouais, oui, je sais, il y a le workshop. Tu peux te promener, tu rentres tes. Franchement, ah ouais, le workshop, il est tellement immense que bon. Tu peux passer ta vie dessus, hein. Ah oui, c'est Thomas qui a. Mais pourquoi quand je vois qu'il y a Shore. Quand je vois qu'il y a Shore, va 20 000 shoot de plateau, 16 000 shoot de carte. Voilà. Voilà, ça suffit en soi hein, pour dire à quel point c'est immense. Mais ouais, de toute façon, ce genre de jeu ne peut exister que grâce aux gens qui sont dessus. Hein.
autrement dit, c'est quand même assez ouf. Puis ouais, il y a tous les jeux Warhammer du cul. Bon, allez, j'ai vraiment plus de batterie là. Ah ouais, bah du coup, je te je vous dis à remercie, mercredi. puis ouais, à mercredi. Bye. Allez, à Bye, plus. Passe une à la bonne prochaine soirée, fois. une bonne semaine et puis à Merci, mercredi. toi aussi, à mercredi. Bye. Bye.